Salut les sportivores, salut les sporty girls, c'est Roddy Shaker. Alors aujourd'hui, comme tu le sais, voici une nouvelle vidéo pour urbannutrishop.com, site de vente en ligne spécialisé dans les compléments alimentaires, sport et musculation, mais aussi la boutique à Melun, située à 30 secondes, 1 minute à pied de la gare de Melun, pour vous recevoir, vous conseiller avec le sourire du stock et pas mal de produits. Aujourd'hui, je vais te parler d'une marque qui est celle de Ronnie Coleman et d'un produit plus en particulier qui est un petit peu inconnu en France et en Europe, c'est l'aminotone. L'aminotone est un complexe de BCA intégrant un brûleur sans stimulant, en plus d'un diurétique et de recharge électrolyte qui pourra parfaitement se coupler avec, pourquoi pas, un pré-workout ou un fat burner, un brûle-graisse, qui serait contenant de la caféine. Et donc, il n'y aurait pas d'interaction au niveau d'un surplus, d'une surdose de caféine au niveau du système nerveux. C'est parfaitement assimilable. Tu pourrais très bien consommer l'aminotone avec, par exemple, du CLA, de l'extrait de thé vert que l'on vend sous forme de thé vert japonais matcha, qui a un effet diurétique thermogénique, qui va se consommer certainement à une autre période de la journée. Alors, cet aminotone, je vais te le présenter maintenant. Aminotone de Ronnie Coleman a une formule de BCAA2A1 classique. C'est un intra-workout du fait qu'il y a les électrolytes de la raspberry chétane, qu'on appelle aussi cétone de framboise, qui va être excellent lorsqu'on intègre un protocole alimentaire en décharge glucidique, qui va être le régime alimentaire le plus simple à mettre en place pour n'importe quelle personne n'ayant pas de connaissances en nutrition, par exemple, de vouloir perdre du poids. Ça peut être aussi un régime cétogène qu'on appelle keto diet, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un jeûne intermittent, mais ça peut être aussi encore un jeûne intermittent couplé à un keto diet ou un jeûne intermittent faible en glucides dans son alimentation. Donc, l'aminotone, en plus de contenir vitamine B12, B2, B3, magnésium, potassium, sodium, contient aussi des acides aminés comme la taurine, qui est un excitant neuromusculaire et qui peut même être, j'insiste encore une fois dans cette vidéo, utilisé avant de se coucher lorsqu'il est pris sous forme pure, que tu peux trouver en tapant HX Nature ou taurine dans le moteur de recherche. Et à côté de cela, les électrolytes vont pouvoir te ressourcer en sodium, potassium principalement, mais pas que, pour éviter des fatigues agressive due à ta perte de sodium, potassium, d'électrolytes par la sudation, par la chaleur, par les selles et les urines. Et c'est vraiment souvent, les gens ne comprennent pas, ils prennent des BCA, ils peuvent avoir des crampes durant l'été, ou parce que c'est des hockeyeurs, des pratiquants de jiu-jitsu brésilien, pratiquants de grappling MMA, on transpire énormément, football américain à cause des tenues, hein. On sait que les judokas, les pratiquants de JJB, les hockeyeurs peuvent perdre entre 5 à 7 litres d'eau sur un entraînement d'1 heure et demie, 2 heures. Donc, il faut constamment s'hydrater. Mais si tu bois de l'eau morte qui est à partir du robinet, qui va être très faible en minéraux, c'est pas bon. Il vaut mieux préférer des eaux de source à des eaux minérales, car des eaux minérales sont forcément chargées en minéraux. Le souci, c'est que ton corps, contrairement à ce que l'on peut te faire penser, va les filtrer parce qu'il y en a trop. Donc, une autre source, c'est vraiment le top, une autre source de qualité pour pouvoir garder des électrolytes, des minéraux dans le corps. Donc l'aminotone est un intra-workout qui se consomme par petites fractions de temps entre chaque série, même si on n'a pas soif. On peut commencer à le charger juste avant la séance. Je le repose. Ah, j'ai oublié de dire, il y a des super gouffres. C'est vraiment très bon à boire. C'est assez difficile d'avoir une personne qui n'aime pas les goûts aminotone. On a limonade à la cerise, America qui a un goût de sorbet glacé. Donc ça, c'est vraiment typiquement américain, mais il y a cet effet chilled, enfin ça, c'est refroidissant, yeah man. Et on a aussi pomme verte, framboise bleue, etc. C'est vraiment des bons parfums. Les goûts, les couleurs, c'est différent pour tout le monde. Consomme le parfum qui t'attire le plus et que forcément tu aimes dans la vie courante. Donc l'aminotone est un intra-workout que je te conseille de commencer à boire par quelques petites gorgées avant l'entraînement pour commencer à charger pendant et après. Et s'il t'en reste, tu peux le terminer dans la soirée si tu entraînes le soir.
le mélanger avec ta protéine si ça passe au niveau du parfum. Moi, personnellement, je m'en fiche, je vais le faire. J'aime bien quand même séparer mes BCA de la protéine, puisqu'il y a déjà des BCA dans une bonne protéine normalement, sinon tu perdrais 60 à 70% de ta protéine dans les toilettes, car les BCA sont des capteurs, des métabolisateurs de protéines. Et lorsque tu ne t'entraînes pas, si tu t'entraînes 4, 3, 4, 5 fois par semaine, parfois plus, il est important de consommer tes aminotones ou d'autres formes de BCA sur tes jours de repos musculaire pour continuer ta récupération et ta métabolisation des protéines. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est, contrairement de le boire cul sec comme des BCA purs, bah là, c'est de le mettre dans ta bouteille d'eau et tout simplement de le biberonner tout au long de la matinée. Et dès que tu te lèves, on va dire, bonne gorgée quand même pour assimiler des BCA et avoir cette reconstruction au niveau des fibres musculaires. Donc, l'aminotone est un produit que l'on vend sur Urban Nutri Shop. On propose d'autres produits de Ronnie Coleman. Il y a pas mal des produits que l'on faisait habituellement qui sont en rupture à cause de l'inflation qui fait qu'on ne peut plus avoir du King Mass ou de la Proanthium comme avant. J'espère qu'un jour ça va se débloquer parce qu'on proposait vraiment plus de produits de sa part. Mais ça devient vraiment difficile d'importer certains produits, surtout quand ils pèsent un certain poids. On a les frais de port qui sont offerts dès 60 euros, 2,99 entre 40 et 60 euros, 5,98 entre 25 et 40 euros. Donc on est quand même relativement très compétitif et on livre carrément entre 24 heures à 48 heures sur journée ouvrée, hors jour férié. On a un centre de tri qui est à quasiment 3-4 km d'ici, donc ça part relativement vite, surtout en Île-de-France. N'oubliez pas les jours fériés et les jours. Enfin, si tu commandes après 14 heures, la commande est traitée le lendemain. Donc il faut pas nous dire ah mais il y a déjà du retard. Bah, parfois on les fait même partir à 15 heures si on a le temps au niveau des préparateurs commandes. De pouvoir, si on peut le faire, on le fait. Mais voilà, patience, ça va arriver et on est toujours là, on est à dimension humaine avec un SAV français, on est situé en France, on existe depuis 2012. Et moi, en tant que Roddy Shaker, je me fais un petit peu le porte-parole d'Urban Nutri Shop. J'espère en tous les cas que cette vidéo introductive de l'aminotone t'aura plu. Et que tu viendras voir sa fiche technique sur le site ou te renseigner à Urban Nutri Shop Melun, boutique située à 1 minute à pied de la gare de Melun. Je suis Roddy Shaker. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que un ami ou une amie y verrait un profit à consommer ce type de produit par rapport à son activité sportive ou même parfois professionnelle. Et en attendant, tu le sais, en attendant tes commentaires, tes partages, en attendant de savoir sur quel sujet ou quel produit tu aimerais que l'on passe du temps, eh bien, n'hésite pas à faire monter la chaîne car on a de l'ambition, on voudrait faire plus. Et en attendant, j'entends le dire, ne l'oublie pas, que la forme soit avec toi.